Ce 3 mars 2016, plus de 50 sociétés, dont YTech, étaient présentes au Talentum Région au Spirodôme de Charleroi. Organisé depuis 9 ans, ce salon est un rendez-vous incontournable pour toute personne en recherche active d'un nouvel emploi ou d'un nouveau défi. À cette occasion, YTech disposait d'un stand où les candidats avaient la possibilité d'y découvrir les débouchés au sein de l'intercommunale ainsi que les nombreux projets en développement. C'est pas évident de trouver des profils spécialisés avec de l'expérience. Participer à Talentum ici au Spirodôme nous permet de concentrer en un jour un maximum de rencontres, récolter un maximum de renseignements, de CV, par rapport au profil que nous recherchons actuellement, mais aussi par rapport au profil que nous savons devoir rechercher ici dans les mois à venir. Une intercommunale, c'est essentiellement une structure qui œuvre au bénéfice de ses associés. Donc nos associés sont essentiellement des pouvoirs locaux, des communes, des CPAS. Nous avons effectivement aussi la possibilité de collaborer sur certains projets avec le secteur privé et par le biais de marchés publics avec d'autres organismes publics. Alors notre domaine d'expertise, c'est au niveau du bureau d'études, tout ce qui est études en architecture, également stabilité technique spéciale, voirie, mais on va jusqu'aux études d'incidence sur l'environnement. Au niveau de l'animation économique et du développement économique, YTech est un acteur important en matière de dynamisme et de développement économique au niveau de la région de Charleroi et du Sud-Nédou. Et alors au niveau de l'épuration des eaux, en tant qu'organisme d'assainissement agréé, nous collectons et épurons les eaux de cette même région, donc Charleroi-Sud-Nédou. YTech, ce sont 284 personnes qui ont des fonctions très variées. Effectivement, en fonction des missions qui sont dévouées à YTech, on a la possibilité d'accueillir au sein d'une même entreprise aussi bien des techniciens, des dessinateurs, des architectes, mais également des ingénieurs avec des spécialités allant de la construction à la chimie, mais également des économistes. Et puis derrière, il y a également tous les métiers liés au service support, donc informaticiens, secrétaires, juriste, également comptable. YTech, c'est 70 ans finalement, 70 ans au service de ses associés. Et je pense que c'est peut-être un élément de différenciation en faveur d'YTech, car c'est, je pense, une réelle motivation pour les collaborateurs de savoir œuvrer pour l'intérêt commun, que ce soit dans le développement économique d'une région, contribuant par exemple à l'édification d'un parc d'activité économique, ou en accompagnant des projets, des associés, des projets d'intérêt public, d'intérêt général, comme par exemple des projets de crèches, d'écoles, toute une série de bâtiments publics. Je pense que c'est une réelle motivation, un plus pour les collaborateurs travaillant pour YTech. En tant que demandeur d'emploi, on m'a parlé du Salon Talentum qui se déroulait pour la première édition sur Charleroi l'année passée. Je ne savais pas du tout vers quel horizon me diriger. J'ai déposé quelques CV, notamment chez YTech. Et c'est ici que j'ai eu un retour positif quelques mois après, où j'ai commencé à passer un entretien, deux entretiens, et j'ai eu la chance d'être pris. Et donc ça va faire un an que je suis au sein de l'intercommunale de Charleroi, YTech.